Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter le numéro 3 en fait tout simplement de Kpo Django. Il avait sorti le deuxième acte il y a combien de temps déjà? Il y a un mois il avait sorti Convocation entre-temps. Et voilà, aujourd'hui on a qui là-dedans là? On a Bekos. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Il y a du monde, hein. Bekos, Agnès Kota, BK Champion, Combache, Achillemana, Fate, le Lion, Lispap. Il y a du monde, wesh. Il y a du démon, hein. Il y a un gros steam, hein. Et encore, la dernière fois, c'était déjà d'autres personnes, franchement. GMG, poto, c'est sérieux. En hein. Plus, je parie, j'ai dit hyper mal les noms des gars, bon allez, on perd pas de temps. Présente-les pas à nous. Oh, ça commence déjà. Ghettovi, il est même pas dessus carrément. Technique. Lui veut prendre le temps. Lui. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, franchement. Technique. Très technique. Très fort. En peu de temps, il arrivait à se détacher. Fort, fort. Ah, il gère hein, quand même, hein, pas mal. Il arrive à être chaud. Le niveau est élevé, hein. Oh, technique est chaude. Il y a du refrain. Il y a de la technique. Franchement,
Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que plus les axes ils commencent à apprendre, ils commencent à suivre en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait le niveau il s'élève de plus en plus. C'est de plus en plus précis, que ce soit au niveau des placements des artistes. C'est beau, tu vois, il a mis en avant l'équipe. C'est énorme. Bah, franchement, il a une énorme équipe en fait. Mais moi, je savais même pas que c'était son équipe. C'est ouf. GMG représente. C'est ouf. C'est ouf. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Il y a des très bonnes choses. Même s'il y a des artistes que je connais pas du tout et que des fois ça se ressemble avec d'autres rappeurs. Chacun a quand même son truc. Il y a des gens, bien évidemment, tu vas revenir dessus parce que soit tu vas sentir que l'artiste il a compris qu'il y a concurrence avec tout le monde et qu'il faut se détacher. Il y en a, ils ont un peu plus compris. Il y en a qui vont rester un peu dans leur queutru, mais tout en gardant évidemment leur essence, on va dire, d'artiste. Mais tu vois, c'est bien parce qu'avec des trucs comme ça, t'arrives à te dire, ah ouais, lui il était pas mal, ah j'ai kiffé sur lui, ah le refrain était vraiment intéressant, lui il était chaud, lui tu sens qu'il a l'habitude de prendre le mic et d'être à l'aise, c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est une hyper bonne initiative d'avoir amené, en fait, de montrer, de mettre en avant ces gars qui sont hyper chauds en fait, tu vois. Et GMG, c'est gros. C'est ouf, je vois les commentaires vite fait. L'acte 3 est le plus soigné parmi les autres, un projet plan de Junta. Tu vois, c'est ce que je pensais. J'ai dit dans la vidéo, j'ai l'impression que plus les actes ils augmentent, plus soit les artistes ils sont mieux placés, ils vont mettre le refrain bien comme il faut. Il y a plus de gens qui vont être soit, j'ai l'impression, soit plus déter à kicker, à être technique, à être tout ça, ou soit ils vont mettre les placements des gens en numéro 2, en numéro 3, en 6, en 5, plus efficace, tu vois, pour mieux terminer le son ou pour mieux commencer le son, etc. Il y a des bonnes choses, tu vois. Franchement, il y a eu un beau travail de fait, j'ai l'impression. Et tu vois, même si je connais pas, j'entends, j'ai déjà vu certains les noms circuler, tout ça, mais tu vois, tu sens en fait qu'il y a des artistes qui sont bien chauds et les autres ils sont pas mauvais non plus, hein. C'est pas parce qu'il y en a qui sont plus chauds que les autres sont mauvais, ils sont au même niveau, mais il y en a qui vont essayer de prendre plus la lumière, tu vois ce que je veux dire. Ils vont essayer de sortir le plus gros couplet qu'ils ont sorti parce qu'ils savent que ça va tourner forcément. Ça fait combien, plus de 37 000, il a sorti à 3 jours. Bon, écoute, c'est déjà pas mal parce que après Ghetto V n'est même pas dessus, hein. Il a pas posé, hein. Il a fait l'intro, l'outro, après il a laissé ses gars faire, hein. Franchement, force, hein. Et force à lui, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a, un autre projet plein de jeux. L'ISPAP mérite une place officielle dans le game. Il doit être, il doit plus être un underground, mais courage des frères. Ici c'est pas Edouard Bana, ok, je suis pas capté, mais ok, si l'aspiration coule comme de l'eau. Ils ont tous assuré grave le flow, le beat, le texte, les vers, les rimes, les punch outils. Sérieux, on a un vrai talent au pays. Le PDRG Ghetto V, lui aussi il a ce truc là, c'est pas crof. Si j'avais déjà les moyens, j'allais produire tous les artistes sur le son. Force à vous, Ghetto est en train de révolutionner le hip-hop Togo et il a besoin de notre soutien. L'ISPAP ne trahit jamais sur un beat. Je vois, ils ont bien apprécié, hein, même l'ISPAP, il est apprécié, mais je vois que tout le monde a sa part de validation, on va dire. Mais en tout cas, force à Ghetto V pour ramener plus de hip-hop et du pura dans ce game-là et de montrer un peu ceux qui arrivent à monter le niveau, tout simplement. Et j'ai repéré 2-3 gars qui étaient intéressants que je peux aller checker un peu plus tard. En tout cas, c'est une belle série. Son je sais même pas comment on le dit, franchement, gars. Kapoje Ngo ou Kpoje Ngo,
truc comme ça. Je sais pas, je vais me faire insulter. Mais voilà, en tout cas, c'est chaud. C'est GMG, c'est Ghetto V, c'est les Banous. Et ça vient du Togo. Et voilà, on a fait ça. Et c'est propre, carré, efficace. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.